Les mecs de l'Alliance là qui ont décidé d'emmerder le monde. Je vais mettre à l'abri, je vais vérifier. Mais c'est bon, là j'ai toutes mes quêtes, non? Non, il me manque une. Il me manque une. Donc. Non, c'était pas elle. C'était pas elle. C'est. Je pensais, mais non. Disciple. C'est toi, je dois buter les trois disciples et puis. Eh oui, bien sûr. Imbécile! Maintenant, votre âme, elle appartient à Gouhoun. C'est pas ce que tu avais omis. Je suis démoniste, mon âme est déjà en enfer. Bon. Bah écoutez, les 3 quêtes de Brom samedi, ça a été relativement vite. Plutôt cool. Chez ce pauvre vieux Brown samedi. Ouais. Bonjour, bonjour. Vous venez faire un marché? Alors, quel bon vent vous amène chez ce pauvre vieux Brown samedi? Ça ramène pas mal de pognon, en tout cas, puis surtout de la réputation. Alors, excusez-moi. Il y a l'esprit d'une enfant appelée Kela qui entre dans mon temple comme une âme en peine. Ça, Mada me l'a confié. Ah d'accord, ok. Mada, c'est une... D'accord. Samada. Ah non, ça doit être. Ok, d'accord. Ok. Samada me l'a confié il y a un bail. Elle espérait qu'un sacrifice pareil lui permettrait d'échapper à mon appel et au grand voyage. Là où. Oh, je suis désolé, j'ai un truc dans la gorge. Là où elle a vu juste, c'est que pour le moment, je l'ai épargnée.
Mais là où elle se trompe, c'est que c'est à son enfant de décider quand elles vont se retrouver. Et j'ai comme l'impression que là, on a marre d'attendre. La mère comme la fille, elles appartiennent à mon royaume. Allez ramener l'enfant à Samada. Ok, cherchez que là dans la nécropole. Je veux plus vous voir. Oh, tu me parles mieux déjà pour commencer? Alors, oh, attendez, ouais, mais ça va être en contrebas. Là-bas. Mon marcheur va s'en charger. Alors, qui êtes-vous? Emada, vous l'avez vu, Mada. Ok. Elle est où, Mamada? Ouais, voilà, je m'en doutais que c'était bien ma trône, mais. Hein, elle est où? Vous l'auriez pas vue, des fois. Je reviens tout de suite, elle a dit, et moi je l'ai attendue. Bien sagement, même que j'ai tellement attendu que je suis même que je sais même plus combien de temps ça fait. On gèle ici et en plus je suis toute seule. Vous voudriez pas m'aider à la retrouver, Mamada? Je ne ferai pas de bêtises, promis. Et dès que là a trouvé Samada dans la nécropole. Et 75 points d'Azerite à gagner. D'un marché avec Bonne samedi. Je suis sûre qu'elle est encore quelque part dans le temple. La petite a raison. Samada n'est pas encore passée de l'autre côté. Allez, allez, vous retrouvez cette Mada égarée et vous lui ramenez la petite. Je voudrais voir à quoi elle ressemble, à la petite. Voilà. Mince. Ouais, bof, c'est une enfant troll, quoi. Alors, allons-y. Ça va être en contrebas. Madame a fait rencontrer les prêtres du coin. C'est même eux qui m'ont donné ma robe. Ils étaient gentils. Ouais. Il fait tout noir ici. Passez devant. Je reste juste derrière vous. De remonter. On y est presque. Mada? Tu es où, Mada? Thank you.
J'ai juste vu un truc là, je... Ok. Bon, il y avait 8 ressources de guerre dedans, on s'en fiche un peu. Ok. C'est non, comment osez-vous amener cette chose devant moi? Cette gosse, bon, samedi, m'a promis la vie éternelle en échange de ton âme. Tu as tout gâché, tout. Maintenant, on va pouvoir passer l'éternité toutes les deux de l'autre côté. Avec Mada, j'espère qu'on vous reverra. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Quand on fait un pacte avec la mort, il faut lire les petites lignes. Bon, on retourne voir Brom samedi et je pense que le dossier est clos là. Ouais, alors on va pas passer par là. La Mada de Kela, elle a fait une grosse erreur en s'imaginant qu'elle pouvait échapper éternellement à l'appel de l'autre côté. Mais maintenant, elles sont réunies et mon royaume, il a 2 âmes de plus. Qu'est-ce que la mort elle peut faire pour vous? Jusqu'ici, vous avez fait du bon boulot et vos talents ont l'air prometteurs. Un marché, c'est ce que je vous propose. Vos ennemis. On leur fait un sort avec mes pouvoirs et en échange, vous envoyez 1 million d'âmes à Brom Samedi. Pas la peine de faire cette tête. C'est dans vos cordes, parole de loi. 1 million quoi. Allez dans la cour des esprits, on finalise notre accord. Parlez à Brom Samedi. Purée. 1 million. Ça c'est de la merde, mais ok. Tout tard. Tout. Ok. Va falloir que je tue 1 million de mobs. Non, non, non. Bonjour, bonjour. Vous venez faire. Buon samedi. Tu sors enfin de cette ruine qui te sert de cachette.
T'as pas l'air d'être bête, Trolles. Pourtant, tu viens m'interrompre dans mon propre temple. C'est ta dernière chance de te soumettre au dieu du sang. Soumets-toi ou meurs. Personne, il dit à Bon Samedi ce qu'il doit faire. Alors, comme ça, tu te crois capable de m'affronter. T'as du cran, mais tu subiras le même sort que tous ceux qui se refusent à Goon. Debout, serviteur. Levez-vous et cet imbécile de loi, détruisez-le. Vous, réglez son compte à cette sorcière. Les tas d'eau qu'elle appelle ses serviteurs, ils vont rencontrer le maître. Accorde-moi ton don. Faut que je la... Elle est où? Assez. Ah, elle était cette là. Cette bataille, tu l'as gagnée. Mais tu pourras pas te cacher ici éternellement. Dès que tu sortiras, tu mourras. Venir m'attaquer dans mon propre temple. Je rêve. Ils vont me le payer. Me le payer très cher, mais... Qu'est-ce que la mort, elle peut faire pour vous? Alors, l'heure est venue de vous lever, de lever le camp. Vous avez beaucoup à faire avec tous ces trolls de sang à envoyer de l'autre côté pour Brom Samedi. Et c'est sûrement pas ici que vous allez les trouver. Ah non, rendez-vous dans les ruines de Zobal et parlez à Zobal. Ah bien, n'oubliez pas notre marché, hein. Continuez à envoyer des âmes à Bon Samedi. Si vous voulez garder ma faveur. Ok, donc... comment dire? Heureusement, j'ai pas de compteur. Parce que je m'attendais à avoir un compteur à 1 million. je me suis dit non. Juste non, quoi. Bref, donc on retourne là-bas. J'ai beaucoup à faire. Alors, vous avez conclu un pacte avec Brom Samedi. Ce n'est pas plus mal. Des âmes, plus il en aura, plus il sera puissant. Et ça, c'est dans notre intérêt à tous les deux. Par contre, il ne faudrait pas oublier d'honorer notre marché. Anzabu, il a le droit à sa part du gibier. Du gibier. Ok, d'accord. Un pacte avec la mort. Ok. Bah écoutez, apparemment, pour continuer, il faut que j'aille faire la quête là-bas. Mais c'est un sort le truc de Brom Samedi ou pas là? Non, de toute façon c'était marqué que c'était passif hein, si jamais c'était un truc bon. Ah ouais, ça y est, je me suis transformé. Bon. Oh, je déteste les trolls de sang. C'est là.
âme satisfait. Amenez-en plus dans mon ventre. Je dois communier avec le maître. Méfiez-vous des trolls de sang. Zandalar connaît des jours sombres. Je t'écoutais, faut se tirer d'ici. Sans faire de vagues, chez les trolls de sang, c'est les femmes qui commandent. Ordonnez-moi d'aller dans cette hutte là-bas. Dites que c'est pour préparer un rituel de sang. Personne bronchera si vous donnez cet ordre. Bon, Ogunra, va dans cette hutte et prépare ce rituel de sang. Vous parlez et moi j'écoute Mada. J'y vais maintenant. Comment va-t-on se sortir de là? Ok, hop. Bien, on est en sécurité ici. Il faut dire que vous tombez bien. Je n'arriverai jamais à arrêter ça à moi tout seul, c'est certain. Essayez de revenir en un seul morceau. Ok, trois nouvelles quêtes. Oh zut. Prenez pas de risque. J'ai besoin de vous. Attendez, parce que j'ai pas eu l'occasion, mais... Oh, la souris. Allez. Ouais. Pas beaucoup de poitrine, hein. Bref. Zandalar connaît des jours sombres. Le bouclage de Zalmar, ce maudit gun, Goon, ouais c'est Goon, hein, donc je l'ai entendu. Hein. Il a osé corrompre Irek, le loa chauve-souris. On peut faire une croix sur son soutien. Il a vraiment rejoint leur camp. On n'a pas le choix, il va falloir tuer Irek. Cette mission, c'est de la folie et on va sûrement y rester tous les deux. Mais j'ai un plan pour commencer, il faut isoler le secteur. Les trolls de sang, ils ont des tambours de guerre qui donnent l'alerte dès qu'il y a un problème. On va devoir s'en débarrasser, mais sans se faire repérer. Malheureusement, ce déguisement... Vous n'avez qu'un mot à dire et les tambours, ils quittent leur poste. Heureusement, avec ce déguisement, vous n'avez qu'un mot à dire et les tambours quittent leur poste, ok. Ordonnez aux tambours de guerre, ok, de quitter leur poste. Ok. Infiltration des trolls de sang. Vous allez devoir vous fondre dans la masse si vous ne voulez pas éveiller les soupçons. Et pour cela, il va falloir vous salir les mains. Il y a des tâcherons... dans le camp qui sont ligotés pour le rituel. On leur tape dessus pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Ceux qui échouent sont sacrifiés et les autres, ils ont le droit d'aller combattre les Zandalari. Si vous ne voulez pas vous faire remarquer, vous allez devoir cogner vous aussi. Je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça que ça marche. Mettez à la preuve 5 tâcherons. Ok. Ah. Essayez de revenir en un seul morceau. Oh, je déteste les trolls de sang. Maintenant, on a le champ libre pour tuer Irek. En fait, les jeux normands, ma spécialité à moi, c'est les potions et les poisons. Là, je suis en train de concocter une mixture qui sera fatale à Irek. Le moment venu, par contre, je ne peux pas garantir que ça marchera. Prenez-la et allez la tester sur les chauves-souris du coin. Si ça se passe comme prévu, ces bestioles, elles devraient tomber comme des mouches. Alors, je n'aurai plus qu'à renforcer le poison avec ma magie vaudou et Irek n'aura qu'à bien se tenir. Ok. Méfiez-vous des trolls de sang. Bon.
dans l'ensemble, plusieurs choses à faire, quoi. Ok, bon. Bon, je peux pas les... le faire plusieurs fois. Hop, il y a ça. Quoi, ça marche pas ça? Bon, on va bien voir. J'ai un truc là. D'accord, ok. Bon, il y a une cinquième chauve-souris quelque part, je sais pas où. Je vais continuer à parcourir là-bas. Là-bas, j'ai encore un mec à cogner. Ok, j'ai ma cinquième chauve-souris. Par contre, ça... Après j'ai ça, mais ça a l'air d'être pour une autre... Ça a l'air d'être pour autre chose, ça. Ça a l'air d'être pour après. J'ai raté un truc. Bon, donc c'est pas ça. Donc apparemment il y a plusieurs choses à faire. Mais Ah d'accord, ok. Attendez, 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 j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Et ma cible, elle est en haut de cette tour. Il nous faut 50 peaux de crocilisque en parfait état. Va les chercher. Et c'est pas la peine de revenir tant que tu les auras pas toutes. Et B. Sacrée quête. Alors attendez. Hop, je vais chercher. Ok, c'est cette tour là-bas. Oh, attendez. Il est où? Il est où? Il est où? J'ai un coffre là. J'ai un coffre. Je le vois sur la minimap. Il est là. Non. Non, c'est pas ça. Là. Ok. Attends, c'est quoi ça? Rage de sang. La potion éveille en vous, la rage augmente la hâte de 25%. Et les dégâts subis de 25%. Ok.
Le camp a besoin. Le camp a besoin de plus de pierres. Va collecter les plus dures et les plus pures de Nazmir. Seulement 60, il en faut. Ok. Et non, je vous vois venir, je ferai pas de blague sur le fait que cette société soit matriarcale. Parce que depuis tout à l'heure, je vous entends penser, on va dire. Ah, oh, zut. Il faut plus de bois pour le camp. Va m'en chercher 30 pièces de la meilleure qualité que tu trouveras. En plus, c'est des quêtes cohérentes qu'on trouve, c'est cool. Tac, tac, tac. Par contre, voilà quoi. Voilà le nombre quoi. Bon, il y a les mecs que je dois cogner là. Ah là, il y en a un là. Peut-être sur une monture. Ok. Hop. Où ils descendent. Voilà, un autre là-bas. Bon, en fait, j'en avais un peu partout, c'est juste que je les voyais pas forcément. Hop. Comment va-t-on se sortir de là? Qu'est-ce que vous faites? Votre déguisement a disparu. Pourquoi le mien est toujours là? Va falloir faire autrement. Qu'est-ce que vous faites? Votre déguisement a disparu. Pourquoi le mien est toujours là? Va falloir faire autrement. Oh, je déteste les trolls de sang. Méfiez-vous des trolls de sang. Ok. Il y a trois sorcières dans le camp qui ont des talismans renforcés par Irek. Vous allez me les apporter et en profiter pour prouver que mon poison, il marche. Excusez-moi. Ah, alors, ah ouais, ok. Comme mon poison, il marche comme il faut. Ensuite, j'utiliserai l'essence directe qu'il y a dedans, histoire que la mixture soit assez puissante pour le tuer. Et si jamais ça ne suffit pas, en fait, je préfère ne pas y penser. Ça passe ou ça casse, donc il faut que ça passe. Allez me chercher ces talismans pendant que je reste caché ici. Il ne faudrait pas que je me fasse repérer par les trolls de sang. Ok. Essayez de revenir en un seul morceau. Alors, je vais juste faire une toute petite pause. J'ai un message à lire et je vous reprends. Allez. Ah zut, allez, la pause. Bien, je suis de retour. Allons-y, je suis déchaîné. Donc on a une quête secondaire et puis il va falloir foutre le zbeul. Comme Jaja.
J'avais pas autre chose qui brillait. Si, j'avais vu autre chose qui brillait. Ah non, ça c'est des potions, c'est des bonus qui sont sur. D'accord. Je pensais que ça foutait le bordel aussi de. Ces os vont bien nous servir. Quoi, ils ont réussi à défoncer mon marcheur du vide? Ou il s'est trop éloigné? Ouais, je pense que c'est surtout trop éloigné. Décidément, il s'en sera pris lui des traits de l'ombre dans la tronche. Bon, 93%, je vais plutôt me concentrer sur la dernière sorcière qui, à mon avis, est dans cette hutte. Oh, c'est pas vrai. Ouais, j'arriverai pas à lancer ma graine de corruption. Voilà. Ah bon, bah c'est bon. Bah, j'ai suffisamment foutu le bordel. J'ai plus trop de mandame. Ok. Ouais, attendez, je vais aller aider mon marcheur du vide parce que, à mon avis. Bon. Hop. Zandalar, alors. Jour sombre. Je peux choisir une récompense. Hop, le talisman. Prenez pas de risque. J'ai besoin de vous. Je vais m'occuper de vous personnellement. Oh non! C'est Eric! C'est le moment de vérité. Si le plan marche pas, on est mort. Comment va-t-on se sortir de là? Eric, il sait qu'on est là, et si je me trompe pas, il nous tuera dès qu'on se montrera.
L'heure de vérité, elle a sonné. Vous et moi, on va sortir d'ici pour se jeter dans les bras d'une horde de trolls de sang qui ne voudront qu'une chose, voir leur loi nous tailler en pièces. Cette dague est pour vous. Je l'ai enduite de poison. Vous avez plus de chances que moi de suivre assez longtemps pour l'utiliser, de survivre assez longtemps pour l'utiliser. Faites semblant de craindre Irek et laissez-moi parler. À mon signal, vous sautez sur Irek et vous le lardez de coups de couteau. Ensuite, les doigts, on n'aura plus qu'à les croiser. Méfiez-vous des trolls de sang. Ok. Ah d'accord, il m'accompagne. Bien! C'est bon, allez, on va s'occuper d'eux. C'est un jeu d'enfant. Attendez, il y en a qui apparaissent spontanément là. C'était pas dans le scénar ça? Bon. Salut mec. Je pense qu'il faut que je m'approche au maximum, un petit peu comme Bram Samedi. Non. Non, ça veut pas. Comment je suis censé faire? Vois pas là. Attendez, d'accord, ok. Attendez, excusez-moi. Alors, ok, j'ai compris le souci. Ok, bon, j'ai compris le souci. On va la recommencer. S'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Bon, même si mon marcheur du vide se fait déglinguer, c'est pas grave. Oh, je déteste les trolls de sang. Ok. Parce qu'il a dû mourir et je l'ai pas vu arriver un moment, c'est. Voilà, ok. Comment va-t-on se sortir de là? Zandalar connaît des jours sombres. Je suis Prenez prêt. pas de risques. Grand Irik, accorde-nous ta pitié. Oh Tout-Puissant, épargne-nous! Pitié!
adeptes pusillanimes. Nous vous détruirons en même temps que Zuldazar. Dans ce cas, à vous! Ah, je fais quoi? Ah, ok. Je vais... Qu'est-ce que... Du poisson. Que m'avez-vous fait? Ça marche! Continuez comme ça! Continuez! La puissance de mon être coule dans mes veines. Elle me purifiera de votre affection. Bah écoute, pour le moment, ça a pas l'air de fonctionner. Assez! Je vais me repaître de vos eaux brisées. Ah! Vous êtes fort, mais nul n'est assez puissant pour affronter un Loa. Ok. Comment va-t-on se sortir de là? Au moins, j'ai pas le dos brisé. Essayez de revenir en un seul morceau. Ok. Plein la tête que j'en ai pris, je ne peux même plus bouger, pas de panique, j'ai des potions qui me remettront sur pied, mais ça va prendre du temps. Irek, il vous attend dans la caverne en bas, le poison l'a affaibli, mais c'est à Loa, et il va falloir mettre une sacrée couche pour en venir à bout. Bon sang, je n'arrive pas à croire que vous allez tuer un Loa. Normalement, ça ne se fait pas, mais il faut regarder la vérité en face. Irek, il Sergun maintenant. Il n'a pas le choix. On n'a pas le choix. À vous de jouer. Tuez-le. Il faut arrêter cette folie. Méfiez-vous des drôles. Ça va aller. Il me faut juste un peu de temps. Oh, faut vraiment que je fasse plus attention à moi. Attendez, je vais faire un truc. On va garder ça à vue. Je vais me revêtre de ta chair et offrir ton âme à mon maître. Là, avec ce que je lui envoie dans la tronche, ça devrait le faire.